Bonsoir à tous et bienvenue à Châteaubriant pour une nouvelle étape du Bowling Promotional Promotion Cup avec deux programmes ce soir, la compétition en simple puis en double. On va s'intéresser ce soir avec Bernard Mora, donc tout d'abord à la compétition en simple. L'étape suivante, Châteaubriant, ça sera ensuite Monaco, avec donc deux compétitions qui vont s'enchaîner. Une belle compétition d'abord dans ce beau département de la Loire-Atlantique, cher à notre confrère Bruno Bidon, avec un tournoi sur invitation au Skittle de Châteaubriant et un beau plateau de Français, parmi lesquels justement Bruno Bidon, deux Russes, deux Hollandais, deux Suédois, un Anglais. Je crois que j'ai rien oublié, mon cher Bernard. Non, il n'y avait qu'un seul Suédois. Il n'y en avait qu'un seul, moi j'en ai vu deux. Et nous voici donc à Châteaubriant pour cette nouvelle étape. Avec, on va le voir rapidement, des qualifications qui sont toujours très très importantes dans ce genre de tournoi, parce qu'il y a une place à aller chercher dans les qualifications, c'est la première place, parce qu'ensuite eh bien il y a un tournoi, comment ça s'appelle, c'est le Bolof, c'est ça? Un roll-off, pardon, oui voilà, c'est ça. Et donc celui qui a terminé premier de ces qualifications, eh bien c'est Matt Miller, qui va se retrouver donc automatiquement qualifié pour la finale. Pour les autres, eh bien ça va être un petit peu plus compliqué. On va retrouver ici lors du premier match une opposition à 3 avec Viktor Krasavkin, le russe que l'on a vu en action, Alexander Minenko, un autre russe, alors là tout jeune, 17 ans, oui. Et enfin Tony Régnier, trois hommes qui vont s'affronter dans ce premier match. Le vainqueur de ce match, Minenko, Kraskavin et Tony Régnier ont respectivement terminé 6e, 7e et 8e des qualifications. Le vainqueur de ce match rencontrera ceux qui se sont qualifiés en 4e et 5e position, à savoir Bruno Bidon et Phil Hulst. Ensuite, le vainqueur de ce match rencontrera ceux qui se sont qualifiés en 2e et 3e position, et le vainqueur de ce 3e match rencontrera le finaliste. Contre mieux, pourquoi vaut mieux terminer premier des qualifications, hein. Oui, Matt Miller a fait très fort. Sur trois lignes, il a fait 706. Et le deuxième, le Hollandais Van Zandvliet, n'a fait lui que 705. Oui, un point d'écart après trois parties, mais un point qui vaut son pesant d'or, hein, pour l'Anglais Matt Miller, qui va pouvoir observer ses adversaires en action. Alors, on voit ici Tony Régnier. Est-ce que c'est mission impossible quand on se retrouve comme ça, engagé dans le premier match pour... Tout est possible. Vous savez, sur une seule partie au bowling, n'importe qui peut battre n'importe qui. Sur deux parties, c'est déjà plus dur. Sur trois, c'est quasiment impossible. Mais sur une partie, vous savez, c'est un petit côté loterie qui fait qu'on peut très bien se qualifier. Alors, on voit ici donc Tony Régnier opposé à deux Russes avec un phénomène, hein, un jeune homme qui n'est même pas majeur, 17 ans. Oui. Milenko, et c'était extraordinaire, ce jeune russe de 17 ans était parfaitement francophone. Et pour l'instant, c'est lui qui a pris le meilleur départ. Alors, Tony Régnier, d'habitude, lui, joue à Angers. Il n'est finalement pas si loin que cela de ses bases. Donc voici le jeune russe Alexander Minenko. Belle trajectoire, vous l'avez vu, hein. Et Minenko qui fait la course en tête dans ce match. Après 8 frames, on a vu 178 pour le jeune russe. Ça, c'est ce qu'on appelle un washout. Il n'a pas touché la quille numéro 1. Et là, il réussit son split d'une façon extraordinaire. Alexander Minenko, qui est né le 6 janvier 1994 et qui est déjà
une des valeurs montantes du bowling européen. Comment est-ce qu'on peut situer, Bernard, le bowling européen par rapport au bowling aux États-Unis de l'autre côté de l'Atlantique? La grosse différence, c'est qu'en Europe, il n'y a que des joueurs amateurs, tandis qu'aux États-Unis, il y a une importante colonie professionnelle et qui travaille régulièrement. Le bowling est un sport qui passe hebdomadairement à la télévision aux États-Unis et qui a beaucoup de spectateurs. Ils ont des sponsors. En Europe, c'est déjà beaucoup plus confidentiel. Mais on y travaille. Mais oui, puisque nous aussi, oui. Ça passe hebdomadairement. On ne remerciera jamais assez Eurosport 2 de nous régaler en bowling. On est resté en France près de 10 ans sans avoir la moindre compétition de bowling à la télévision. Et là, maintenant... C'est un partenariat qui a été initié maintenant depuis un peu plus d'un an. Oh oui, au moins. Et oui, puis oui. Qui trouve son public, et on voit donc que Minenko va gagner son billet, même si on a eu un beau retour de Kraskavin sur la fin de partie. C'est donc le plus jeune des trois qui va se qualifier, Alexander Minenko, qui remporte ce premier match et qui se qualifie pour le match numéro 2. Bonsoir à tous et bienvenue à Châteaubriant, cette nouvelle étape du Bowling Promotion Cup avec le match numéro 2, et on va retrouver Alexander Minenko qui s'est donc imposé lors du premier match et qui va donc maintenant retrouver sur son chemin un Néerlandais, Phil Hulst et Bruno Bidon, donc notre autre spécialiste du bowling qui vient régulièrement nous rendre visite. Bon, on veut surtout pas le vexer, mais il y a quand même un choc de génération dans ce match, parce que Phil Hulst, il est pas vieux, il est pas bien vieux non plus. Bruno Bidon est un petit peu plus expérimenté. On rappellera son parcours à Bruno, qui a été le premier Français à être licencié à la PBA aux États-Unis, un parcours sensationnel, et qui se retrouve là face à deux jeunes loups dans une situation un petit peu délicate. Oui, vous savez, au bowling, c'est un sport un peu comme le golf qui permet une bonne longévité et où l'expérience compte énormément. Et petite précision, Minenko a gagné son premier match avec une partie à 213. C'est quand même, pour les spécialistes, c'est un signe. Quand on fait plus de 200, on est au-delà du par. Voilà donc Bruno Bidon qui là joue pour Monaco. Ça commence bien. On ne peut mieux. Et on revoit ce strike. Ah, la boule est parfaitement entrée dans la poche 1-3, puisque les quilles sont numérotées. Entre les quilles 1 et la quille 3. Là, moins de chance. Oui, ceci dit, la quille 10 pour les droitiers, c'est... Je l'ai souvent dit, c'est la quille maudite. Et pour les gauchers, évidemment, c'est la 7. C'est-à-dire celle qui est à l'extrême gauche. Oui. Phil Hulst qui a eu du mal à débuter sa partie. Minenko, lui, il est chaud, bien sûr. Il sort de son premier affrontement. Ah, pas de chance. Non. Manque de réussite, là. Mais quand on est vraiment tout près des quilles, qu'on a le nez dessus, on s'aperçoit que la boule n'est pas rentrée exactement où il fallait. Vous savez, la poche idéale, elle est grosse comme une pièce d'un euro. Alors elle est à 20 mètres. Vous la mettez un peu plus à droite, un peu plus à gauche, et c'est une quille qui reste. Ouais, c'est vrai que quand on regarde ça de temps en temps comme ça, on a le sentiment que tout se ressemble. Oh là là, pas bon ça. Ouais, c'est manqué pour Alexander Minenko. Oh, voilà l'occasion de creuser l'écart. Oh, il l'a vu tout de suite, il l'a senti immédiatement. Il a vu. Bruno Bidon, que ça partait mal. Il a vu qu'il était... Sa boule n'était pas assez centrée. Et malheureusement, il ne profite pas totalement de cette opportunité, Bruno Bidon. Rattrapé donc par ses rivaux. Beaucoup plus serré, cette partie, par rapport à la première.
Phil Hulst, donc un Néerlandais qui va avoir 22 ans dans quelques semaines. Ah, et à chaque fois, il manque la même, la numéro 10. Et ce Néerlandais était qualifié pour la Coupe du Monde de bowling, la 47e du nom, qui vient de se jouer en Afrique du Sud, à Johannesburg. Il était qualifié, mais... Dont vous revenez ? Oui, oui. Mais il n'a pas très bien réussi là-bas. Il a mal supporté le décalage. Il n'y a pas de décalage horaire. Non, mais c'est un long voyage tout de même. C'est un long voyage, oui. Il a mal supporté le voyage. On change de saison, hein, puisque chez nos amis sud-africains, c'est l'été. Mais le côté pratique, c'est vrai qu'il n'y a pas de décalage horaire. Allez, Alexander Minenko. Manque de conviction, j'ai l'impression. Là, il a gagné le premier match, mais là, j'ai l'impression que le deuxième, il ne sera pas dans le coup. Bien joué. La fatigue aussi, hein, on voit la densité musculaire, la morphologie de Minenko, quand encore un tout jeune homme. Ça joue sans doute, hein, sur la bien répétition sûr, comme sûr, ça du nombre de parties qu'on va jouer. Et puis il y a aussi le stress, hein, la pression, l'expérience en gros. Comme il n'a que 17 ans, son expérience n'est forcément pas bien. Hein. Ça vient grand, on attend bien grand, celle de Bruno Bidon qui lui a connu les pistes américaines. Il lui profère un bel avantage. Et on revoit ici. Excellent voilà. Backswing. Hein. Ouais, 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 tout de suite, hein, l'action de la boule dans les quilles est différente. Hein. Et ce qui est drôle, c'est que, à la rigueur, la caméra pourrait rester sur le joueur sans voir les quilles. Et on sait dire, rien qu'en regardant le joueur, d'ailleurs, le bowler sait, au moment où il lâche la quille, ce que ça va donner à peu près. Il sait en principe, il doit réussir, mais il y a la glorieuse incertitude du sport. En tout cas, quand il a manqué, il le sait. Oui, oui. Ah oui, quand la boule n'est pas bien dirigée, il le sait tout de suite. Mais il y a des miracles des fois comme ça. On a vu des gens réussir des strikes sans toucher la quille numéro 1. J'ai vu une fois un Anglais, il est arrivé sur la quille de numéro 4, c'est une quille qui est à gauche, et puis tout est revenu en arrière. Et il a fait un strike, ce qu'on appelle un strike volé. Ah, il n'est plus dans le coup, le jeune. Alexander Minenko. On a changé de piste aussi pour cette partie. Est-ce que ça peut jouer? Il me semble qu'on a changé de piste entre les deux parties. En principe, ça peut pas avoir une grande importance. Mais là, on le sent effectivement beaucoup plus dubitatif, hein, son regard ouais, un petit peu perdu. Il doute de lui-même, là, c'est sûr. Sans doute que la quille ratée dès le deuxième frame de la partie, ça l'a un peu traumatisé. Oh là là. Et encore une fois, ça va faire 54 hein, pour Minenko. Après cette frame numéro 4. Allez, Bruno Bidon qui lui reste sur un strike. Hey. Et on enchaîne. Parfait. Il a la bonne vitesse et il a surtout une grande précision. Pour l'instant, le plus dangereux, c'est Phil Hulst. Parce que Minenko est un petit peu en difficulté, on l'a dit. Ah. Avec un beau geste aussi hein, pour Phil Hulst. Voilà le classement. Deux strikes consécutifs pour Bruno Bidon. C'est important hein, d'enchaîner les strikes parce qu'on rappelle, quand on fait un strike, les coups suivants sont additionnés. Voilà, les deux boules suivantes sont additionnées. Tandis que sur un spare, c'est seulement la boule suivante. Voilà, c'est un calcul un petit peu particulier qui peut parfois désorienter ceux qui ne prennent pas le temps de comprendre la règle. Mais une fois qu'on l'a compris, c'est très très simple. On additionne et donc l'intérêt de faire des strikes, c'est d'avoir plus de points à additionner à chaque bille qu'on lance. L'important, c'est de les faire consécutivement, les strikes. Exactement. S'ils sont séparés, ils rapportent beaucoup moins.
Et le bon endroit pour faire le strike, c'est la 9e frame, parce qu'un strike à la frame numéro 9 peut vous rapporter 60 points. Si derrière, on en place encore 3 autres, bien évidemment. Oui, ce qui n'est pas une mince affaire tout de même. Aïe, et ben fin de série pour Bruno. Ouais, la boule est entrée sur la quille numéro 1 sur la gauche. Il aurait pu réussir ce que l'on appelle un Brooklyn. Quand on fait réussir, qu'on est droitier et qu'on réussit un strike en touchant la quille de tête sur la gauche, on appelle ça un Brooklyn. Parce que la piste est censée représenter la presqu'île de Manhattan. D'accord. Et alors là, si vous touchez sur la gauche, vous envoyez les quilles sur Brooklyn. Ah, c'est intéressant comme appellation. Les gauchers, quand ils touchent sur la droite, on appelle ça un Jersey side. D'accord, parce que bah là, ouais, les kicks partent sur New Jersey. D'accord. Enfin, nous, on est plus vache que ça. Pensez-moi le mot, mais on dit oh, il a encore fait un strike bidon. Oh. Et il en reste une pour Phil Hulst, qui a un geste très énergique, hein, une rapidité de bras qui est étonnante. C'est un bel athlète, hein, c'est... vraiment un physique athlétique. Ouais, Minenko à côté, j'aime mon grand-père qui disait épaule d'anchois. Oui, mais 17 ans, hein, c'est... Ceci dit, il y a un joueur de Lettonie qui a 16 ans, qui fait 1m85 et 67 kilos. Il a déjà fait 6 fois 300. Oula, il est par contre, c'est... On l'a vu au championnat d'Europe junior, c'est impressionnant. Oui. 1m85 et 67 kilos. Ah oui, c'est longiligne. Hein. Mais 16 ans. Et là, on a vu cette boule passer complètement au travers. Ouais. Ouais, là, ensuite, c'est compliqué. Pour effacer le reste. Là, il est largué. Ah, là, c'est clair que Minenko n'est plus dans la course. On va faire le point après cette frame numéro 8. Ah, oui. Et on enchaîne de nouveau pour Bruno Bidon, qui, malgré tout, est à 20 points. Oui, parce qu'on n'a pas, comme il reste sur un strike, on n'a pas additionné encore ses points suivants. Mais là, va falloir se méfier de ce Phil Hulst. Il ne commet pas la moindre erreur. Hein. Oh là là, et c'est de... Ah, avec un petit peu de chance là pour... Pour Minenko, oh là là. Voilà, c'est compensé par le coup suivant. Ça ne veut plus sourire pour le jeune russe. Alors d'après ce que vous nous disiez, puisqu'on est dans la frame numéro 9, c'est maintenant hein, qu'il faut faire un strike. Ah oui, un strike. Un strike maintenant, c'est 60 points. Oh, et ça veut pas. Alors surtout pas de trou. Surtout pas, ne surtout pas rater cette quille, parce qu'un trou à la 9, c'est rédhibitoire. Oh, mais vous avez porté malchance là, à notre ami Bruno Bidon. Ah oui, je crois qu'il va m'en vouloir. Aïe, 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 aïe. Alors attention, Phil Hulst. Et là, pour le coup, c'est maintenant le Néerlandais hein, qui a pris l'ascendant. Allez, c'est parti. Ah oui, il en remet encore. Oui, oui. Là, on est rentré. Il n'y a pas de problème. Ce que les Américains aiment appeler le money time. Hein. C'est maintenant qu'il faut enchaîner ce genre de... Il va pouvoir rencontrer le Suédois Dennis Eklund, qui est le champion d'Europe en titre et en doublette. Hein. Ce n'est pas le champion individuel, c'est le champion en titre en doublette. Et là, ça fait deux de suite hein, pour Phil Hulst. Ouais. C'est pas un replay. Et le troisième, aïe, aïe. Incroyable.
Pierre Bellegui. Ah, il est vraiment monté en puissance au moment pile où il le fallait. Allez, Alexander Minenko, essayez de bien terminer ce match, même si c'est déjà perdu. Et non, ça ne veut pas. Le combo à droite, figure difficile. Il arrive à effacer tout cela et à faire son spare. Ah, ça ne veut pas pour Bruno Bidon. Ça ne veut pas non plus pour Alexander Minenko. Allez, cette fois, c'est sûr et certain. C'est Phil Hulst qui va remporter ce match numéro 2 et qui affrontera juste après une petite pause Dennis Eklund et Dwayne Van Zandvik. On revient tout de suite à Châteaubriant. Autrement dit, c'est une sorte de demi-finale, hein, puisque le vainqueur de cette rencontre à 3 sera opposé à Matt Miller, l'homme qui a réalisé le meilleur total en qualification. Mais alors là, il y a du beau monde, parce qu'on l'a dit, il y a Dennis Eklund, le voici, le Suédois. Et puis, il y a également Dwayne Van Zandvik, qui lui a réalisé le deuxième meilleur score des qualifications à un point seulement de Matt Miller. Oui. Matt Miller, 235,33 de moyenne et Zandvik, 235 tourons. Alors Phil Hulst a gagné en faisant 212. Tout à l'heure, Milenko avait fait 213. Donc la victoire est toujours au-dessus de 200. C'est un bon match. Dwayne Van Zandvik, on est à 21 ans hein, pour le Néerlandais. On a deux Néerlandais dans cette manche. Face à Dennis Eklund. Mais la boule de Dennis Eklund, on le verra là, c'est quelque chose d'une efficacité redoutable. Ah, c'est pas mal non plus, hein, pour... Celle-là est superbe aussi. Oui. Pour notre ami Phil Hulst. On peut retrouver comme ça différentes écoles selon les pays. Oh, bien sûr. Bien sûr, en ce moment, en Australie, vous avez le joueur, celui qui a gagné la Coupe du Monde à Johannesburg, qui joue en lançant sa boule à deux mains, comme les petits-enfants. D'accord. Et pas à la même vitesse. Oui, j'imagine. D'ailleurs, ça nous permet de dire que les enfants peuvent jouer jeunes au bowling. Et j'en ai fait l'expérience, alors pas moi-même, mais avec ma fille, hein, puisque pour les enfants, on met des rampes sur les côtés, parce qu'évidemment, sinon ça termine toujours dans la rigole. Mais on met des rampes sur les côtés et ils passent un vrai bon moment, c'est un vrai sport de famille. Exactement. Tant avant ces rampes, les enfants ne voulaient pas jouer parce que lancer toujours sa boule et qu'il tombe dans la rigole, c'est pas drôle. Mais maintenant, comme toutes les boules vont juste au quilles, ça redemande. Ça a beaucoup fait pour la popularité du bowling et le recrutement auprès des jeunes. Et ça, je peux en témoigner, c'est le moyen de passer un bon moment en famille, parce qu'en plus, avec les rampes, du coup, vous n'êtes pas sûr de gagner. Et ce qu'il y a avec les enfants qui commencent à jouer, qui donc utilisent des rampes, mais au bout d'un moment, ils les touchent même plus. Oui, oui. Ils savent où se mettre. Hein. Bah, ils ont une capacité d'apprentissage, de toute façon, dans tout ce qu'ils font, hein, qui dépasse de loin la nôtre. Et bien évidemment. Et heureusement. Heureusement. C'est... Ah oui, j'ai vu. Très bien, ça fait... Alors, Eklund. Oh, je crois que sa boule à Eklund doit être chronométrée aux alentours de 30 km à l'heure. Alors que cette compagnie doit être aux alentours de 27-28.
Et Clown qui fait pour l'instant la course en tête, mais attention, il y a deux strikes consécutifs pour Van Zandvliet et pour Phil Hulst. Donc ça peut un petit peu contrarier les plans du Suédois. On arrive au lancer crucial. La frame numéro 9 pour Phil Hulst. Et là, cette fois, ça n'est pas tout à fait la même chose. 8 quilles seulement au sol. Mais il n'a pas fait d'erreur hein, depuis qu'on le voit jouer, ce Phil Hulst. On ne l'a jamais vu. Non, très raté, solide, c'est vrai. Rater quoi que ce soit. Hein. Et bien jouer au bowling, ce n'est pas tellement de faire beaucoup de strikes, c'est de ne jamais rater ses spares. Allez, Dennis Eklund, et le voilà le strike à la frame numéro 9. Il n'est pas champion d'Europe en doublette pour rien. La clé du succès. Mmh. Ça s'est joué à rien là pour Van Zandvliet. Allez, la dernière quille. Oh, ça raccroche un tout petit peu trop tôt. Ah, ça c'est... Là, c'est sûr qu'il a perdu maintenant. Oui, c'est fini pour Van Zandvliet. Un trou à la frame numéro 9. Enfin, on l'a vu pour Bruno Bidon, c'est fatal. Fatal. La numéro 10 maintenant, Phil Hulst. Ah oui, mais ça ne tombe pas. Là, Eklund va faire facilement 200. Tandis que là, au point où il en est, Phil Hulst ne peut pas espérer faire 200. Il fera forcément moins de 200 maintenant. Allez, se faire plaisir là sur cette fin de partie, même s'il s'est perdu. Et toujours pas d'erreur. Non, il aura nettoyé la piste à chaque fois, Phil Hulst. La troisième boule. Bon, mais il est bien placé celui-là, il n'aura pas besoin de le jouer. Voilà, exactement, c'était le moment de le faire pour Phil Hulst. Qui nous fait donc un total de 184. Oui, c'est moins, hein. C'est moins de 200, on l'a dit, la qualification là dans ce tournoi, elle passe au-dessus de 200. Et Clown qui commence par un strike et qui va même enchaîner. Allez, on s'arrêtera. 213 pour Eklund. Voilà, et Van Zandvliet qui lui va en terminer avec un score de 166. Ça veut dire que c'est donc Dennis Eklund qui va défier en finale l'homme qui a réalisé le meilleur total en qualification, à savoir Matt Miller. Voilà, 213 pour Eklund. Incroyable, hein, à chaque fois ça se situe aux alentours de 213 cette qualification. À une quille près, oui. On marque une pause. Retour à Châteaubriant pour l'étape française du bowling Promotion Cup, en tout cas en Loire-Atlantique, avec la finale donc qui oppose Dennis Eklund, vainqueur du match numéro 3, à celui donc qui a réalisé le meilleur total des qualifications, Matt Miller, un Britannique qui a littéralement explosé au plus haut niveau l'année passée. Ah oui, il est excellent ce Matt Miller. Il a fait deuxième de la Coupe du Monde l'année dernière, la Coupe du Monde qui se jouait à Toulon. Il a fait deuxième derrière un Canadien, mais de très peu. Et alors il a cette particularité, Miller, c'est que c'est incroyable, il termine son approche à quelques millimètres de la ligne de faute. Je ne sais pas si on le verra là, mais c'est... on dirait qu'il joue avec le feu, parce que vous savez que dès qu'on franchit ou qu'on piétine la ligne de faute, la boule compte pour zéro. Eh bien, lui, il termine toujours à quelques millimètres de la ligne de faute. 10 ans séparent les deux hommes, puisque Dennis Eklund est né en 79, il a 32 ans. Très décontracté, hein, étonnamment hein, d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire que c'est un excellent joueur, il a senti que quelque chose n'allait pas, ou il y a eu un bruit incongru dans l'assistance, et il s'est repris, il se reconcentre.
les deux hommes qui ont réalisé un strike. Donc, dans la frame numéro 1. Allez, la finale qui est bien lancée maintenant. Ça promet. Hein, parce que vraiment, on a deux joueurs de très très haut niveau. Hein. Et sur une ligne. 22 ans, Matt Miller. Il est presque professionnel du bowling, hein, en ce sens qu'il tient un magasin qui vend des boules, des chaussures, des sacs. Il est dans le bowling toute la journée. L'index très écarté sur la prise de boule. Oh là là là, ça promet. Qui va lâcher le premier? Les Suédois, les Finlandais, enfin les Scandinaves sont très forts. Hein. C'est eux qui dominent le bowling européen. Il faut dire que leur fédération a plus de 110 ans et que leur fédération ne s'occupe que du bowling. Et là, pour l'instant, Danny Seklund fait le début de partie absolument parfait. Et oui, on commence par un triplé. Si on pouvait voir l'arrivée de Matt Miller près de la ligne de faute, c'est spectaculaire. Alors on va bien regarder les appuis du jeune Anglais. On l'a entrevu. Hein, c'est vrai, ça ne joue pas à grand chose. Son pied est au ras de la ligne de faute. Alors c'est lui qui a craqué en premier. Il a fait doublé et 9. Exactement. Alors, par contre, ça, c'est peut-être pas un doublé, parce que je crois que je vous ai induit en erreur, Bernard. Je crois qu'on a vu le dernier, les derniers entraînements et que, en fait, c'était un. Ils ont fait strike juste à la première. Ah bon. Voilà. Et donc, Eklund a fait un doublé, et malheureusement, il n'y a pas de doublé pour Matt Miller, qui va quand même effacer cette dernière vilaine quille. Oui, effectivement, là, il y a un doublé pour le Suédois et strike et 9, strike et spare pour l'Anglais. Ah, la façon de jouer, de la prise de boule et tout de Dennis Eklund, il faut faire voir ça dans les écoles. Hein. Oui, ah oui. Et, excellente position. Hein. Et son balancier est remarquable. Ah bah sur ce coup-là, ça ne suffit pas. Eh oui, mais c'est la 10. Exactement. C'est la Kilis, c'est la maudite. N'est-ce pas, Nicole? On a une joueuse dans notre club, à chaque fois qu'elle se laisse la Kilis, c'est tout juste si elle n'attrape pas des crampes d'estomac. Faut pas se rendre malade quand même. Hein. Ah mais oui, mais là, j'en ai tellement... Bowling Promotion Cup. Alors, la 10. Il a gardé la même position de main. Ah, et c'est pas du raccro, hein, c'est plein dessus. Plein fer. Hein. Pas la moindre hésitation. On voit qu'on peut venir jeune au bowling. Il y a un nourrisson là, juste derrière les finalistes. À condition qu'il soit sage, hein, parce que ça peut tourner au drame. Ah, c'est familial, le bowling. Hey, joli, joli. Wow. Allez, Matt Miller qui se reprend bien. Méticuleux, hein, les Suisses soigneusement... Sa boule. On voit hein, que les joueurs ont besoin d'une routine hein, pour, absolument. Mettre dans le... Oui, oui. Il y a des tics comme ça. Là. Sa main, vous voyez, d'abord sur le côté, puis après, il la pose dessous. Mais
On retrouve ça dans énormément de sports hein, qui sont même totalement différents. Le tennis, le volleyball. Et à chaque fois qu'on prend la balle, on a des petits gestes qui aident à sentir bien. Sauf que là, ça se passe pas bien. Ça fait 2-9 de suite. Ouais, pour Denis et Clown. Qui va bien essuyer sa boule. Puis là, surtout, il y a deux quilles à effacer. Et qui joue sa boule de spare, qui joue le spare avec la même boule que pour le strike. Alors que la plupart du temps, les gens utilisent une autre boule pour jouer les spares. Ah non, il en reste qu'une. Là, avec le... Et la deuxième boule, en général, est plus légère ou plus lourde ? Non, il faut surtout que le poids soit identique. Ah mais oui. Il faut que, dans sa construction, elle prenne moins facilement de courbes, qu'elle reste beaucoup plus droite, qu'elle ait moins de réactions. C'est que maintenant, dans les résines, les boules sont fabriquées dans des résines très sophistiquées et on arrive à construire des boules qui prennent beaucoup d'effets ou qui en prennent moins. D'ailleurs, en 1980, aux États-Unis, on homologuait environ 800 fois 300 par an. Et quelques années après, on en homologuait 14 000. D'accord. Alors, c'est vous dire, ça a joué un tout petit peu. Il y avait eu du progrès, à la fois sur les boules et sur les pistes, et surtout sur la précision du perçage des boules. Parce que dans le temps, c'était plus ou moins empirique, mais là, maintenant, c'est de la haute technologie. Hein, le perçage... C'est quelque chose d'extrêmement important. En tout cas, pour l'instant, pour la précision, c'est Matt Miller hein, qui fait la course en tête. Il en est à deux strikes consécutifs, alors que ça coince un peu là pour Denis Eklund, qui en est lui. À deux spares consécutifs, voilà, ça y est, la machine est remise en route. Et la prise de vue est excellente, là, de voir cette boule qui chemine vers la poche. Et les rotations qu'elle a aussi. On voit parfaitement la trajectoire, ah, effectivement, oui. Et sa prise d'adhérence à un moment. Et si je mentais, je dirais que j'ai eu le temps de compter les rotations, il y en a eu 23. 23 rotations hélicoïdales, non pas comme une toupie, mais bien comme une hélice. C'est très important, ça. La rotation hélicoïdale. Quoique, il y a... Un joueur de Formos, Chine de Formos, qui a été champion du monde en 1995 avec une boule qui tournait comme une toupie. Étonnant. Étonnant. Joli. Matt Miller qui en est à son troisième strike consécutif. Là, ça paye. Hein, au niveau des points, il est en train de creuser l'écart. Et pour le spectateur moyen qui regarde ça, il dit oh, bah, le bowling, c'est pas difficile. Hein. On réussit presque à tous les coups. Ouais, mais... Oui, bah, allez-y. Ah oui. Oh là là, oh là là, oh là là, il faut tellement peu de choses. Allez-y, vous allez voir. Tout de suite. À la première, vous allez comprendre. Quel geste. Allez, Clown. Il se relance bien. Tous les deux essuient soigneusement leur boule. Hein. Bolleurs mes frères, bolleuses mes sœurs, regardez bien. Vous le faites pas assez souvent. Moi le premier. En général, on attend son tour, on est pressé de jouer, alors on y va vite. Voilà. Ça, vous mettez le doigt sur un gros problème. La toute précipitation est néfaste. Ah. Hey, on peut même s'arrêter. Oui. Eh oui, il a senti qu'il n'était pas en ligne, il n'a pas hésité à s'arrêter. Chose que le joueur moyen ne fait pas, il continue. En se disant après tout, on verra. On verra ce que ça va donner. Oui, oui, oui. Et il a recommencé toute sa routine, hein. Il ne s'est pas simplement replacé. Fait effectivement de reprendre tout à la base parce qu'il en est à combien 4 de suite là Matt Miller. En plus il lui parle pendant qu'elle y va à sa boule. Bon, ça devient compliqué là maintenant pour Denis Eklund qui ne se
mais qui garde départ pas de son sourire, voilà exactement, mais bon, ça c'est important aussi. Il y a tellement de joueurs de bowling qui ne savent pas ce que c'est que sourire. Allez, le deuxième strike consécutif pour Eklund. Strike machine. Il y a l'air d'avoir beaucoup de connivence entre les deux joueurs en plus. Oui, c'est vrai qu'en plus c'est un sport où on ne s'affronte pas directement finalement, on affronte davantage les quilles que son rival. Oui. Ceci dit, quand il y a des gros prix, comme dans les tournois professionnels, qui a 40 000 dollars vainqueur, et 20 000 au deuxième, il y a même un tournoi qui s'appelle le Roll to Rich aux États-Unis, où il y a 200 000 dollars pour le vainqueur et rien pour les autres. Alors là, souvent c'est un peu tendu. Quoique, vous savez, les professionnels... comme leur nom l'indique, hein, ils savent ce qu'ils font. Alors, il n'embrasse pas sa boule, il souffle légèrement dans le trou du pouce pour l'humecter, pour avoir une meilleure prise de boule, pour que le doigt reste bien en place. Et là, ça y va, c'est impressionnant la série qu'est en train de faire Matt Miller. Nous aurons des gros scores à la sortie de ce match. Oui, on va allègrement dépasser les 210 qu'on avait franchis à plusieurs reprises. Oui, tout à l'heure, hein, 212, 213. Dans les qualifications, celui qui a fait le plus, la meilleure partie, c'est Dennis Eklund. Il a fait une ligne à 289. Il a fait 209, 289 et 194. Et avec ça, il était troisième dans les qualifs. Ce qu'il a obligé donc à passer par le match. Alors là, il a bénéficié du travail du messager. Le messager, souvent, c'est la quille numéro 1 qui est projetée contre la paroi de gauche et qui revient pour faire tomber la récalcitrante, la numéro 10 qui est à l'extrême droite pour la faucher. C'est un peu souvent... Ça arrive très souvent... aux gens qui ont des boules rapides comme eux. Quand on a une boule trop lente, la réaction des quilles est nettement... Bah, il faut que ça libère de l'énergie, hein, l'impact. Hein. Voilà. Allez, on en est à 5 strikes consécutifs pour Matt Miller. Oh, il est redoutable. Regardez cette grille, elle est simple à lire. Hein. Magnifique. Ça fait 6 de suite. Et là, forcément, quand on a un joueur qui sort une telle série, on ne peut plus suivre tout Dennis Eklund qu'on est. Il en est quand même à 4 de suite. Hein. C'est loin d'être ridicule. Oh, mais il est tout à fait capable de tenir le rythme. Ah, la façon dont il prend sa boule, comme il la tient et tout. Et au moment de lâcher, il est toujours dans la bonne position. Oh, joli, joli. Ça lui en fait 5. Et ça lui en fait 5. Là, on a élevé le niveau quand même. Alors, Eklund avait pris un meilleur départ. Ensuite, on l'a vu manquer au troisième et quatrième frame et devoir se contenter de spare. Donc il a repris quelques points, il a pris quelques points de retard. Eh bien, le titre de la compétition Bowling Promotion Cup est en train de remplir son rôle parce que c'est très promotionnel et ça donne envie d'en faire autant. Ah ouais, de voir que le niveau finalement est extrêmement élevé aussi. Incroyable, cette série, on est à 7 consécutifs pour Matt Miller, à 5. Pour Dennis Eklund. Qui va gagner? Alors c'est là que ça va se jouer, dans cette frame numéro 10, où l'on a 3 boules. Les deux hommes qui ont fait le strike dans la frame numéro 9, la frame clé. Alors il faut continuer sur la série.
qu'on se concentre. Ah non, je pense qu'il y a eu un problème dans les quilles. On les a entendues, effectivement. Oui, on a dû remettre les quilles en place, oui. Voilà. Regardez bien, bon alors mes frères, comment on prend sa boule, comment on la tient, la position de l'index, très écartée. Superbe. Voilà. Superbe. Mais il est encore en retard. Le sixième consécutif. Et son adversaire en a 7. Oui. Sacré athlète, hein, mine de rien, lui aussi, parce que... Oui. Très athlétique. Luna ! Luna ! Aïe, 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 aïe. Et il reste la 10. Et il a dû le sentir, hein, parce qu'on l'a entendu, crier. Oui. Ça n'est pas passé exactement là où il le voulait, et malheureusement, ça risque de lui coûter très très cher. Eh oui, il suffit que son adversaire mette un strike sur la première boule de la 10e frame, je crois, ça doit suffire pour que Matt Miller l'emporte. Voilà. 257 pour Denis Eklund. Oh là là, 257. S'il perd le match en faisant 257, c'est, oui, quand, c'est même, quand même mal récompensé. C'est quand mais même, ça s'appelle, oui, une finale et oui, ça prouve, oui, que le niveau était élevé. Même après avoir réalisé 257, on n'est pas certain d'avoir remporté la compétition. Alors la pression maintenant sur les épaules de Matt Miller. Jeune homme de 22 ans. Ah, bah celle-là, c'est à gauche que ça reste. Plus rare. Ça va se jouer à rien. Oui, je vais se jouer à rien. Ça va se jouer à rien. Surtout pas la rater, quoi que ce la quille d'extrême gauche pour un droitier, c'est souvent une formalité, mais enfin, on sait jamais. Hein. Oh, c'est drôle, oh là là. Ah oui, il a mis, la manière. Grande tour, s'il vous plaît. Spectaculaire. Alors, ça va se jouer sur cette dernière boule. Il a besoin de 8 quilles. Voilà, pour gagner. Bon, 8 quilles, normalement, c'est faisable. Mais bon, ça peut se louper aussi. On a vu un Américain, il avait 6 quilles à faire pour gagner 17 000 dollars. Il a mis la boule dans la rigole. Alors, allez, voilà, lui, il va pouvoir rigoler pour le bon avec ce strike pour terminer. 250. Oh là là. 259. Oh. 2 points seulement de plus que Denis Eklund. Bah, c'est une belle finale serrée avec... beaucoup de sourires entre les deux finalistes et un score élevé et serré. On n'en demandait pas tant pour cette finale de la compétition single à Châteaubriant. Et c'est donc Matt Miller qui s'impose.